Mais arrête, mon gars, elle est tellement petite, elle, elle a les pieds qui sentent le shampoing. Hé, Priscilla, fais gaffe, t'es en train de marcher sur ton short. Ah, attends, je me suis brûlé, mon gars, il est cramé, ce kebab, mais t'es complètement ouf. Allez, déjà, Slim, t'arrêtes de me gueuler dessus, ok? Parce que je te rappelle que ce kebab, il est gratos, alors mollo. Bah, tu sais qu'aux États-Unis on te ferait un procès pour moins que ça. Hein. T'es avocat, toi? Mais non, mais je dis juste que... Bah alors, ta gueule. Ok, je sens plus ma bouche, mec, je vais aux urgences. Je te promets, si j'ai un truc, je te marave. N'importe quoi. Genre quoi comme truc? Genre une flictaine. Une lésion de la peau due à une accumulation de liquide clair. Une cloque, quoi. Ouais. Faut que t'arrêtes de parler comme ça, Ludo. On n'est plus au 16e siècle. Réveille-toi, mon pote. Facture. Bah dis donc, les Caraïbes, c'est pas pour tout de suite. Facture. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient du palais de justice. Michel, c'est pour Adam, ça vient du palais de justice. Bah ouvre. Bah non, c'est pour Adam. Oh, j'ai peur, ma mère. Convocation, non. Oh mon Dieu, Adam est convoqué au palais de justice. Oh, il a fait une connerie, il a volé. Enfin non, ça fait 2 ans qu'il a arrêté de piquer dans mon sac, c'est pas un voleur. Je comprends pas. Ou alors on a raté quelque chose. Arrête, Babette, on y est pour rien, tu le sais bien. On leur a donné une éducation vraiment irré... Reprochable. Je suis venu dès que j'ai pu, qu'est-ce qu'il y a? C'est toi. Tiens, elles te reviennent, c'est normal, tu les veux depuis la 5e. Dans tes baskets collector? Qu'est-ce qu'il y a? T'as une maladie grave? Pire que ça, frérot. Je vais en zonzon. En prison? Ouais, dès mardi. Déjà, quand je suis en prison, quand on joue au Monopoly, je me sens pas bien, alors imagine-la. Mais qu'est-ce que t'as fait? Ben, je sais pas, je suis convoqué au tribunal. Si, c'est pas la tôle qui me fait peur. Non, la tôle, ça va aller. C'est les douches. Tu sais ce qu'ils leur font aux jeunes beaux gosses comme moi dans les douches en prison? Non, mais si t'as rien à te reprocher, enfin, y a pas de raison pour que. C'est quoi, c'est pas grave. Après tout, j'ai bien vécu. Comme on dit, vaut mieux vivre un jour comme un lion que 100 ans comme un mouton. Et si je me faisais un tatouage? Non mais laisse tomber, tu le feras direct en prison, t'auras tout le temps pour ça. Mais non, je vais me faire tatouer le plan de la prison dans le dos. Comme ça, je pourrais m'évader. T'as jamais vu Prison Break? Tiens, Adam, y'a quelqu'un qui voudrait te parler. Je ne me présente pas. Bon, comme je disais à ta mère, j'ai longuement réfléchi et au nom de notre amitié, je veux bien faire preuve de clémence et retirer ma plainte pour brûlage de lèvres au moyen d'un kebab cramé. Allez, un petit billet de 100 et on n'en parle plus. C'est une vanne, Nassim. Attends, c'est toi qui as déposé plainte au tribunal contre moi, là? Mais je vais te tuer! Je vais te tuer! Du coup, pour les baskets, ça tient toujours? Je dis juste que si j'avais eu l'occasion 2 secondes avec la meuf, eh ben, à l'heure qu'il est, j'ai pas de montre, mais je peux te dire qu'à l'heure qu'il est... Mais jusqu'à quand tomberons-nous sous les brûlures des kebabs? J'espère que vous avez un bon avocat, sinon j'ai celui qu'il vous faut. Et je pourrais même témoigner. En toute amitié, hein, bien évidemment.